Freddy le voleur de poules. Il était une fois des animaux qui se réveillent de bon matin. Ils allaient prendre leur petit déjeuner. Quand soudain, Freddy vola une poule. Le renard s'enfuit en courant avec la poule dans ses bras. L'ours, le lapin et le coq partent à sa poursuite dans la forêt pour libérer la poule. La nuit est en train de tomber. Tous les animaux sont épuisés. Freddy et la poule s'endorment sur une branche d'arbre. Le lendemain matin, Freddy reprend sa course avec les autres animaux qui le suivent. Le renard et la poule se mettent à l'abri dans un terrier. L'ours n'arrive pas à rentrer parce qu'il est trop gros. Et en plus, Freddy a construit un labyrinthe plein de pièges pour jouer plus longtemps avec la poule. La nuit est tombée. L'ours, le lapin et le coq se réchauffent autour d'un feu. La poule dort dans les bras de Freddy qu'il ne l'a pas encore mangé. Quand le jour se lève, la poursuite recommence. Le renard trouve un bateau sur la plage et embarque avec sa poulette. Le coq et le lapin montent sur l'ours et rament avec une branche. Le soir venu, le renard et la poule arrivent chez Freddy. Les autres animaux sont trempés et exténués. Ils suivent les traces de pas dans le sable. Et ils arrivent devant la porte de Freddy. L'ours, le lapin et le coq rentrent chez Freddy très énervés. La poule leur explique. Calmez-vous, Freddy est mon ami, il est très gentil. Et elle embrasse le renard. Ils boivent alors un chocolat chaud en amis. Le lendemain matin, les trois animaux repartent chez eux. Freddy et la poule, ils sont très contents d'être ensemble. Fin.